tous, c'est Bénéfaut et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial car je ne vais pas vous présenter les erreurs d'une seule BD mais vous dévoiler les clins d'œil, hommages ou caméos faits dans les BD. Je les ai classés du plus voyant, du plus évident au plus discret. En top 10, donc le plus évident, nous avons Génie en balade, le tome 6 de Léonard. Au moment où Léonard et son disciple rentrent dans un bateau, le capitaine est tout simplement le marin Popeye. En top 9, j'ai choisi le tome 7 des 4 As, les 4 As et le dragon des neiges. Lorsque les 4 As ont vu pour la première fois les traces géantes, on voit Doct lire Tintin au Tibet. En top 8, nous avons le tome 10 et 11 de Benoît Brisfer, La route du Sud et Le secret d'Églantine. Dans La route du Sud, c'est un clin d'œil au Schtroumpf, qui est une BD du même auteur que Benoît Brisfer, qui a été fait. On voit un Schtroumpf dans l'étagère à gauche de Benoît dans la toute première case de la BD. Dans Le secret d'Églantine, on voit un petit Spirou et le chien Bill de la BD Boulet Bill en bas à gauche de la case dans le tir à la carabine. En top 7, nous avons le tome 23 de Tintin, Tintin et les Picaros. Le passage de la prise du pouvoir à la fin de la BD se passe lors d'un carnaval, ce qui a permis à Hergé de déguiser plusieurs personnes en personnages célèbres de BD. On peut donc retrouver Astérix et Mickey sur une même case. On peut aussi voir sur une autre case Donald dessiné en énorme. Et dernier clin d'œil, il y a le chien Snoopy, 2 pages avant la fin de la BD. En top 6, le tome 5 de Marsupilami, Baby Prince, a réussi à réunir 2 clins d'œil et 1 hommage. Un clin d'œil pour Tintin, on le voit filmer des habitants de Chiquito. Un clin d'œil pour Zantafio, personnage des BD Spirou et Fantasio, qui apparaît sur un tableau dans le palais du dictateur. Et un petit hommage à la coloriste des BD Marsupilami, Cerise. En top 5, j'ai choisi 4 tomes de Tintin. Et je vous préviens, à partir de là, ça commence à se corser. Hergé aime bien se dessiner dans ses propres BD, mais il a aussi dessiné un de ses collaborateurs plusieurs fois. Commençons d'abord par Hergé lui-même. Il s'est dessiné dans Tintin au Congo, on le voit avec un calepin à la main dans la première case de la BD. Dans l'affaire Tournesol, on le voit en bas à droite de la dernière case de la page 13 avec du papier à la main. Et pour finir, avec Hergé, on le retrouve à 2 reprises dans le sceptre d'Autocar. Dans les mêmes cases, on voit avec Hergé Edgar P. Jacob qui a déjà fait un caméo dans Les Cigares du Pharaon. Mais je vous en ai déjà parlé dans le premier épisode, que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. On peut aussi voir Edgar P. Jacob derrière le professeur Tournesol dans Objectif Lune. Et pour finir avec Tintin, on aperçoit Quick et Flupk dans la première case de Tintin au Congo et aussi dans L'Étoile Mystérieuse. En top 4, on a Astérix Légionnaire, Astérix en Corse, Le Cadeau de César, Obélix et compagnie et Astérix chez les Belges. Dans toutes ces BD, Goscinny et Uderzo ont dessiné Pierre Tchernia, qui est un réalisateur et animateur d'émissions de télé. On peut aussi remarquer que sur cette case, les 2 légionnaires qui portent Pierre Tchernia sont Goscinny et Uderzo eux-mêmes. En top 3, les Maîtres de l'Orge. Dans ces BD, les noms Adrien Steenfort et la famille Texel, qui sont quand même des noms très importants dans la BD, ont été repris des BD SOS Bonheur. L'avocat du ministère public s'appelle Adrien Steenfort et le chef de la police secrète présidentielle est le général Texel.
En top 2, je n'ai pas réussi à départager Lou et Benoît Bricefer. Pour Benoît Bricefer, j'ai choisi la même case que dans le top 8, celle où on voit un schtroumpf. Car en plus du schtroumpf, il y a aussi un dictionnaire posé sur le bureau de Benoît. Et sur la tranche de ce dictionnaire, il y a écrit « Petit Bob », ce qui fait référence au dictionnaire « Le Petit Robert ». Quant à Lou, il faut être fan de Tintin pour déceler ces deux clins d'œil. Dans le tome 3, le cimetière des autobus, au moment où Lou s'endort, les paroles que dit la prof sont tout droit sorties du prospectus que lit le capitaine Haddock dans Tintin en style d'avis. Et dans le tome 4, Idylle, Clément Fifrelin dit la phrase culte de l'oreille cassée « Caramba, encore raté ». Et en top 1, le clin d'œil le plus discret de ce top, presque impossible à détecter, se trouve dans la 55e histoire de Lucky Luke, Western Circus. Lorsque Jules Framboise demande à Dédé du château de Bévert 1837. Ce qu'il faut savoir pour comprendre ce clin d'œil, c'est que le vrai nom de Maurice, l'inventeur de Lucky Luke, est Maurice de Bévert. Il a donc donné son propre nom à Dubin. À bientôt.